Écoutez, moi, je vais réagir en tant qu'enseignant. Je suis scandalisé d'entendre qu'on veuille dépénaliser le cannabis. Moi, je vois tous les jours, en effet, des gamins en prise avec le cannabis. C'est ça la soumission ? Mais c'est ça la soumission, en effet. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à régler un problème, légalisons. Voilà, c'est la solution magique. Sauf qu'on ne se rend pas compte que sur le terrain, le cannabis a des effets dévastateurs. Des gamins qui se retrouvent en décrochage scolaire, qui se retrouvent en échec scolaire, qui ont des problèmes neurologiques, qui ont des problèmes psychiatriques à cause du cannabis. Et vous, vous voulez le dépénaliser. C'est juste insupportable. Et en plus, comment fonctionne un adolescent? À partir du moment où on va dépénaliser le cannabis, il va être à la recherche d'un autre interdit et il va se diriger vers des drogues plus dures. Voilà ce que ça n'est prouvé par aucune étude sérieuse. Vos solutions sont néfastes.